Soit je mets elle, c'est des pyjamas. Je mets laquelle? Non. En fait, je vais me mettre à plier. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Je vais tout plier, je vais tout. Parce qu'il n'a pas visité le haut, il avait visité le bas. Il ouvre la porte, elle la rafle là. Et il voit le hell. Non, je source sûre, je suis obligée. Je sais pas, ça va. Je vais laisser poser mon soin. Et je dois tout ranger, quoi. Eh, mais aujourd'hui, ils m'ont mis dans une sauce, or que j'ai rien à voir. Mon nom, c'est un putaclic. Ils m'ont mis dans une sauce, or que j'ai rien à voir dedans. Alors, je vais vous expliquer. C'est la première et la dernière fois que je prendrai la parole. Je m'en fous complètement. C'est des gens qui sont le premier à cliquer sur ma story, mais ils vont verser leur haine sur Twitter parce que c'est des détractés. Ils versent toute leur haine là-bas. Et en fait, on est dans une génération que, un, il va crier au loup, tout le monde il va crier au loup sans preuve. Sortez des preuves. Sortez des vidéos, il n'y aura jamais rien. Je dors sur mes deux oreilles. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. Moi, j'ai jamais été escorte. Je vais vous parler avec des preuves. Je vais vous montrer une chose que je vous ai jamais montrée. Regardez combien je coupe touché. Leur seul argument, c'est quoi? Ouais, mais pourquoi elle avait ce train de vie-là, or que elle n'est pas riche de base? Alors, moi, les filles, mes princesses, je vous le dis. Moi, j'ai jamais été une fille d'une famille riche. Moi, ma maman, et j'ai pas honte de le dire. On veut manger avec les restos du cœur, c'est la vérité. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais en même temps, je vais vous expliquer quelque chose. Or, dans un autre sujet, ils ne comprenaient pas mon train de vie. Ben, en même temps, je vais vous le prouver, mon train de vie. Moi, j'ai signé en agence. Et tu sais que c'est très dur de signer en agence pour une fille qui n'avait pas fait de télé. Ça a pris pour moi sur les réseaux sociaux, qui est ma passion et qui est devenu mon travail à mes 18 ans. J'étais encore au lycée. Hein. Ça a pris pour moi, j'ai signé en agence automatiquement. J'ai perçu mes premiers salaires. Mes premiers salaires, c'était combien, mes princesses? On va parler en chiffres, puisqu'ils ne comprenaient pas mon train de vie. Et moi, sachez que même malgré que je touchais ce salaire-là, j'étais très accroche à la dounia. Je vivais très pour la fame, très pour la dounia, très je claquais mon argent dans les vêtements, très je voulais prouver. Quand tu as 18 ans et que tu as connu la vraie Hesse, et parce que je l'ai connue et j'ai pas honte de le dire, hein, tu as connu la vraie Hesse, et que d'un coup, Arbertalik, je suis désolée. Je pensais pas à une vie, faire un appartement. Non, moi, c'était tout, je claque dans les vêtements. Tout, je voulais kiffer ma vie, je voulais kiffer mes vacances, je voyageais, tout. Je voulais que kiffer. Je voulais que kiffer, je vivais pour la dounia. En 2020, directement, quand ça a pris pour moi sur les réseaux sociaux, j'ai signé en agence. Je vais vous prouver maintenant, je vais sortir et je vais parler avec chiffres. En 2020, directement, quand ça a pris pour moi sur les réseaux sociaux, j'ai pas le choix de le faire, je l'ai jamais fait. Toute ma vie, on m'a collé cette étiquette-là, parce qu'ils comprenaient pas, je l'ai jamais fait, mais je suis obligée, là, je suis dans l'obligation de le faire. Sans aucune prétention, je vais vous montrer, c'est quelque chose qui est dans ma vie privée, ça, là, c'est vraiment ma vie privée. Déjà que je partage ma vie privée, là, c'est vraiment dans ma vie privée. Je vais vous prouver, comme ça. Je suis tranquille. Deuxième chose qui essaie de me coller, que j'aurais fréquenté un homme du Congo qui s'appelle Francis, parce qu'une fois j'ai voyagé au Sénégal, alors il faisait froid, j'étais à Paris cette période-là, ma copine était au Sénégal, Gina, elle n'était pas là,
Je voulais pas rentrer toute seule à Dubaï. Je me suis dit quoi? Ok. Ma copine, elle m'appelle, elle me dit, viens, rejoins-moi au Sénégal, il fait archi beau, tu vas bien manger tout. Je suis partie, j'ai la rejoint. En quittant le Sénégal, mes princesses, on allait vers Dubaï. Vous êtes d'accord avec moi? Passer les vacances de Noël. Elle le croise à l'aéroport. Moi, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, je le connais pas. Elle le croise à l'aéroport, c'est son ami, elle parle avec lui. Moi, j'ai quoi à voir dans l'histoire, les filles? J'ai jamais rien échangé avec lui, à part un bonjour. Parce que c'est le respect quand t'as une personne avec du truc, tu dis bonjour. J'ai quoi à voir dedans? Je n'ai rien à voir, je ne l'ai jamais vu. Au nom d'Allah, les cinq piliers de l'islam, je le jure. Comme ça, Arbi, et Khorji Ali Al-Qur'an, si je mens, si je l'ai déjà vu de toute ma vie, à part à l'aéroport. Une seule fois. Les gens, ils essayent de mélanger des histoires avec des trucs qui n'existent pas. Je vais vous expliquer quelque chose. Je me suis jamais rasé les cheveux pour aucun homme sur Terre. Et je le ferai jamais, même pour mon propre mari. Je me suis rasé les cheveux parce que ma copine m'a dit, viens, on fait le style à Amber Rose. Toutes les filles, elles ont les cheveux longs. Nous, on va faire un style à la Amber Rose, raser nos cheveux. Ça va être tranquille. On va avoir un flow de ouf. Moi, j'ai vu les photos et tout, des meufs de state. Moi, j'étais, waouh, ok, vas-y, go, viens, on le fait. On a rasé toutes les deux nos têtes. Le mec, là, il a commenté la story à ma copine. Parce qu'il la connaît. Il lui a rentré dans sa tête. Il est rentré aussi dans ma tête. Il m'a dit que je vais viser une communauté africaine. Mais princesse, moi, dans ma tête, je me suis dit quoi? Ok, je vais être connue mondialement. Ça ne me dérange pas. Lui, il était en plein divorce avec sa femme. Je ne sais pas, il avait une polémique de ouf. Je me suis dit, ok, si moi, je vais être connue mondialement, ça me dérange pas, je m'en fous. Mais en fait, moi, tellement que j'étais conne, je réfléchissais même pas aux conséquences. Je sais pas si vous avez capté. Le mec est rentré dans la tête de ma copine et au final, c'est rentré dans ma tête à moi pour que moi, en fait, ça me dit exactement, je vais avoir une communauté africaine. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, j'étais trop contente. Je me suis dit, ouf, je vais être connue mondialement et tout. Sauf qu'en fait, le mec, il nous a utilisé pour rendre jaloux son ex-femme. Son ex-femme, à l'heure d'aujourd'hui, ça vient dans mes oreilles et ça me dit quoi, moi? Pour mot, elle t'a fait de la sorcellerie, elle a dit mot pour mot qu'elle va t'enlever la moitié de ta beauté. C'est à l'heure d'aujourd'hui, j'ai la moitié de ma beauté, j'ai plus ma beauté. C'est la vérité. Si c'est vrai, si c'est faux, je ne sais pas. Je me suis jamais excusée publiquement, je n'ai jamais parlé avec cette femme parce que pour moi, je m'en foutais, c'était un délire, je l'ai jamais vu son homme. Enfin, tu sais, il y a des preuves, tu sais, il y a des photos de si tu vois des hommes et tout. Je l'ai jamais vu de toute ma vie, je l'ai vu une seule fois à l'aéroport. Je m'excuse publiquement à cette femme-là. Si elle a fait ou elle a pas fait, je lui pardonne, j'ai rien à voir dedans. Je n'ai jamais fréquenté ton homme. Vous étiez déjà divorcés, j'ai rien à voir dedans, moi. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Mon seul et unique regret, c'est quoi? C'est que c'est moi, je leur ai donné le bâton pour me faire battre. Elle a peut-être l'homme le bâton. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je me suis exposée sans pudeur avec maillot de bain. Sur mon Instagram moi-même et sur mon Snapchat quand je faisais des hauls avec Shane. Alors d'aujourd'hui, ils se servent de ces photos pour me coller une étiquette. Moi, j'avais pas de pudeur. Je n'avais pas Allah dans ma vie. Je venais mon papa, j'étais perdue. Donc, maintenant, je vais vous expliquer. Je n'avais pas de pudeur, je me mettais en maillot de bain. J'ai fait une erreur aussi dans ma vie que je regrette à l'heure d'aujourd'hui et que je l'ai dit dans le live TikTok, mais je vais le redire aussi. Je n'ai pas de corps, mes princesses. Je n'ai pas de corps, j'avais toutes mes copines, elles étaient bonnes. Elles étaient bonnes, elles avaient des formes. J'étais complexée, j'étais un Twix. J'étais un Twix. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, avec mon salaire, parce que, alhamdoulilah, à partir de 2020, je gagnais bien ma vie. Je suis partie au meilleur chirurgien de Paris et je lui ai dit, refais-moi mes fesses. Et j'ai fait des implants, mes princesses. Mais je l'assume, je l'assume. Alors d'aujourd'hui, je regrette, mais je l'assume. Et en fait, automatiquement, pour le peu d'informations qu'ils ont, bah, ils vont crier au loup. Tout le monde y va crier au loup. Mais il n'y a aucune preuve. Mais princesse, si vous voyez une vidéo de moi avec un homme dans un lit, moi-même, je disparais de Snapchat. Moi-même, je disparais de Snapchat. Vous n'aurez jamais ça et je dors sur mes deux oreilles. Je n'ai jamais été escorte. Ils font de la calmonie. Calmonie, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Allah, il est grand. Il y a des gens, ils veulent ma peau depuis. On dirait que j'ai volé leur sœur. Je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai rien fait. À cause de ces haters, je me retrouve à me justifier pour une chose que j'ai jamais faite. Mais s'ils auraient des vraies preuves, ils les auraient sorties. Mais comme ils n'ont pas de preuves, ils vont sortir que des petits trucs qu'ils vont inventer, ils vont faire des liens. Mais ces haters, ça, ils veulent ma peau depuis, ils veulent m'éteindre. Mais ils vont jamais m'éteindre, je vais être là jusqu'à la fin. Je vais être là jusqu'à la fin.
Moi qui allais se poser le botox toute la nuit, j'allais le rincer une bonne fois pour toutes.